اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. Dans cette vidéo, vous verrez comment remplir une cellule de mesure pour l'analyse infrarouge qualitative et quantitative d'un échantillon liquide. Les échantillons liquides sont placés entre deux plaques d'un matériau transparent dans le domaine de l'infrarouge, souvent du bromure de potassium ou du chlorure de sodium. Ces deux sels sont hygroscopiques, c'est-à-dire très solubles dans l'eau et donc adaptés à l'analyse de liquide organique. Il convient cependant, d'une part, d'utiliser un solvant sec pour rincer les plaques, d'autre part, de ne pas les toucher avec les doigts, et enfin, de conserver les plaques après utilisation à l'abri de l'humidité de l'air dans un dessiccateur. Pour des études qualitatives, l'identification de composés par exemple, on se contente généralement de déposer une goutte du liquide sur une des plaques, puis de recouvrir celle-ci avec l'autre plaque. Cependant, l'épaisseur du film capillaire ainsi formé peut varier d'un échantillon à l'autre. Introduisez le porte-échantillon dans le compartiment du spectrophotomètre en l'insérant tête en bas dans les glissières prévues à cet effet. Refermez le compartiment, vous pouvez alors acquérir le spectre.